Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Conseil du jour avec Max. Oh yeah! Aujourd'hui, gang, on vous partage un conseil qui va être très pratique dans toutes les situations. Le conseil est le suivant. Il y aura des situations dans la vie dans lesquelles vous n'aurez pas le contrôle. Par contre, il y aura une chose que vous avez toujours en votre contrôle. Votre attitude. Le conseil, justement, est des fois dans des situations difficiles, on n'a pas le contrôle sur tout. Puis c'est pas très très agréable, ça peut être même difficile de passer au travers de tout ça. Par contre, il y a une chose là-dedans qu'on peut contrôler et c'est notre attitude par rapport à ça. Est-ce qu'on le prend mal ou on le prend bien? Des fois, ça peut être désagréable, par exemple, une voiture pète, hein, on a des problèmes mécaniques, à part plus. On est en retard pour le travail, puis là, c'est la panique, tout ça. On prend le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, on cherche une situation, puis par rapport à notre attitude, par rapport à comment qu'on réagit, est-ce qu'on se fâche, est-ce qu'on s'agresse le tout, ou on va plus relax, puis on va dire, parfait, on va aller chercher des solutions, je sais que ça me plaît pas, puis c'est pas agréable, mais qu'est-ce que je peux faire pour passer par-dessus cette situation-là? Et juste par l'attitude dans laquelle vous aurez sur, justement, la situation en question, ça va être beaucoup plus facile de passer au travers, puis probablement que vous allez avoir aussi des meilleurs résultats. Fait que pensez-y, gang, quand vous avez des situations un petit peu difficiles, là, la meilleure chose à faire, c'est contrôler son attitude dans les situations qui arrivent, que ce soit des bonnes ou des moins agréables. Voilà. Eh bien, gang, c'était ça le conseil du jour. Contrôlez votre attitude. Alors, de ce côté-ci, un gros merci à ceux qui ont fait la demande en live sur Twitch avec leur point de la chaîne. On apprécie ça, gang. Merci beaucoup. Et sur ce, on vous dit gardez une très bonne attitude et surtout gardez le sourire. On se revoit à la prochaine, gang. Bye.